Fahrenheit et en train la night. On dit l'on vit c'est carré là, on change de carénage, ce genre c'est carénage. Je croise des sorcières comme Carola. Ah non 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 non, ce soir gros je me barre de là. Je m'endors sur la A7, je me réveille à Marbella. Ouais, aïe. Laisse passer, c'est l'anarchie, c'est l'hécatombe, c'est les Dalton, c'est un caton. Sur la carte, sur un plein pot, sur un plan, sur un full feu, appelle les femmes. Pas, pas le temps, prêt à tout pour la plata. Wow wow, mon tas de fait la gare. On nique des mères pour le pactole, wow wow. Dalton la night, ça dit que ça vole, ça braque. Tu parles des types, tu fais un pour eux, alors arrête un peu. Dans le 8 c'est le Far West, cartel en carte, wesh. Voulais sortir de la merde, mais merde m'en veut. Salut tout le monde, c'est Graf Morrison, je suis avec mon frère Romani GT aujourd'hui. Ça va ou quoi frère? Ça va et toi mon frère? Là on est au Grand Trou là, là on est à l'impasse Caton. Dans le vaisseau mère là, c'est le quartier centre. C'est ça. Le quartier centre, c'est ici que tout a commencé. Lyon 8ème hein. C'est ça exactement, où j'ai commencé mes premiers clips, mes premières musiques, mes premières inspirations. Tout est venu ici, mes premières bêtises aussi forcément. Vu que j'en ai fait, après j'en suis pas fier, tu vois pas. Mais comme tout le monde, t'as eu ou pas, on vivait de la précarité. Ça fait on a dû se débrouiller tu vois, avec des hauts et des bas comme tout le monde. Bon, avant tout, mon ref, je te laisse te présenter aussi. Bien sûr. Bah moi, je m'appelle Mani GT. J'habite dans le 8ème. J'habite au Grand Trou. Je fais de la musique depuis 5 ans, officieusement. Et officiellement, j'en fais depuis 2 ans. Depuis, je vois, je fais de la musique vraiment sur YouTube. J'envoie des clips, j'envoie des musiques. C'était quand vraiment le premier clip? C'était quoi? T'avais fait comment? Premier clip, il y a deux, trois ans de ça. C'était pas un chat. C'était pas un chat et un. Je l'avais préparé, je le chantais au quartier et tout. Et un ami à moi, un pote à moi, il m'a dit envoie-le, faut que tu fasses un clip. Il m'a dit faut que t'envoies ce son, il peut marcher, il peut avoir de la bonne tendance. Et j'ai décidé de le clipper. On a décidé de le clipper un petit peu ici au Grand Trou et un peu au Moulin avant. Mais j'ai voulu me lancer, voilà, histoire de dire que je suis capable de le faire parce que ça fait 3 ans que je rappe, vraiment sérieusement. C'est ça, ouais. Du coup, on est de quel côté du quartier? Là, on est du côté du Grand Trou, là, on est du côté de l'impasse Caton, vers le parking. Là, il y a les petits jeunes, ils sont là. Direct des favelas, hein. Voilà. Et toi, t'as toujours été d'ici, Jugo? Toujours ici. T'as ici, j'ai été d'ici même, mais après le 8ème, c'est autant chez moi, tu vois, pas. Je suis à l'aise dans le 8ème complet, tu vois. Ouais. Je peux être ici, comme à la rigueur, un peu partout, mais c'est ici que j'habite. Et justement, le 8ème, il y a une bonne solidarité entre les secteurs, entre les rappeurs, tout ça, non? J'ai remarqué. Franchement, ça a été plus solidaire. Ah, on a toujours été solidaire dans le 8ème, mais t'as vu de faire les Dalton? Ça nous a permis d'être encore plus solidaires, d'être plus réunis. Sachant qu'ici déjà au Grand Trou, on a toujours été solidaires à la base. Toujours, toujours. Et comme tu as pu le constater tout à l'heure, même si les gens ils sont un peu nerfs à vif, il y a eu une petite altercation. Ça fait partie du quotidien, tous les jours. Les gens ils sont comme ça, ils sont un peu malades des nerfs, tu vois, ils sont un peu énervés. Mais après, niveau solidarité, on a toujours été ensemble. En créant les Dalton, ça a pu permettre de nous rendre plus solidaires qu'on était déjà avant. Et ça a fait un bon petit concept, je pense. Bon, les Dalton, on va y revenir en détail après. Bien sûr. Mais là, je veux savoir, c'est quoi? C'est le côté où les rails se posent un peu ici? C'est ça, c'est l'impasse Caton. C'est l'impasse Caton, c'est les. Comment on peut dire, voilà ça, les favelas, le côté. Le Grand Trou, la passe Caton, la Yat, les decks, on leur baise leur nerf. Que de la vente de stup ici, la BST, on leur baise leur nerf. Y'a pas d'argent, c'est la Hessa grand-mère, la West Coast. Ouais, mais comme ça, c'est le côté sombre. Bien profond, la BST. Et justement, les decks ouais. Ici, ils sont comment, gros, dans le 8ème? Franchement, ils sont comme de partout. Franchement, non. Ils veulent pas nous laisser. Voilà. Gratter, y'a pas de balle. On va pas stigmatiser. Ils sont un peu comme de partout. Il y a des bons, il y a des mauvais de partout. On va pas dire que c'est tous des mauvais. Après, voilà, nous, ici, dans ce quartier-là, au Grand Trou, il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement en prison, comme mon petit frère, comme moi. Après, je suis pas fier d'être allé en prison. Libérer les frères enfermés. Ça fait pleurer ma mère, ça rend malheureux ma famille. Malheureusement, ici, il y a beaucoup trop de personnes condamnées. Ici, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de personnes qui prennent de la prison, qui finissent enfermées. C'est normal, après leur revendication, ils ont envie de tout retourner. Mais après, moi, je vais pas inciter les gens à faire du mal ou à tout retourner et tout. Mais voilà, on est obligé d'être débrouillards. La précarité, on est obligé d'avoir les moyens de faire de l'argent, quoi. Tu les vois, ils sont tous les jours posés là. Voilà, avec un ballon, ils sont heureux, tu vois. Ça joue un peu au ballon, ça rigole. Ça fume, ça vend un peu de cheat, comme tout le monde, ou pas comme tous les autres quartiers. On est un peu tous de partout pareil, hein. En léger, là, c'est le barbecue, hein. Comme tu vois, c'est le camp pour se réchauffer l'hiver. Pour se tenir bien chaud au secteur. Quoi, c'est ici? Le camp pour se tenir bien chaud au secteur. Tranquillou. C'est ici que ça charbonne ou quoi? C'est ici que ça charbonne. Tu vois, là, il est là, le dieter, il est posé. Il a une petite vue où ils peuvent rentrer là par le sens interdit. Ouais, ils arrivent d'où? Ils arrivent d'où, du coup, en général? Ou par là, mon frère, ou par là, le sens interdit quand ils sont chauds par là-bas, mon frère.
Ok. Comment on a la fuite direct? Ouais, direct, hein. Direct du charbon. On va poster, poster, on s'en passe, on s'en passe. On s'en passe, on s'en passe, on s'en passe. On s'en passe. Bah, il passe souvent ici ou quoi? Ah, il passe souvent, hein. Franchement, je comprends pas ici la route de Vienne et l'impasse Caton. Ils leur ont fait voir de toutes les couleurs. Tu sais, ils ont un accueil spécial pour nous à chaque fois ici. Dans le 8ème, franchement, on les a bien rendus fous ici là. Bon, sinon, frérot, je veux savoir les Dalton. C'est qui a l'origine de l'initiative? Qui c'est qui a eu l'idée? Comment ça a été le début? L'origine des Dalton, t'as vu, ça part d'une phrase d'un son musical. Traqué comme les Dalton, CR Stube traqué comme les Dalton. Et avec un ami à moi, un bon ami à moi, mon frérot, qui gère avec moi tout ça, il a eu l'idée de faire un collectif, tu vois pas, pour rendre plus solidaires les Dalton, de faire un bon petit groupe, histoire de rendre solidaires tous les quartiers du 8ème, histoire de dire qu'on n'en fait qu'un seul de quartier, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais. Mais les Dalton, à l'origine, ça part de, voilà, comme je t'ai dit, d'une phrase de rap, à la fin, on a décidé de faire des Dalton, pour faire une sorte de collectif. C'était quoi le premier son officiel des Dalton? C'était quoi, on va dire? Les Dalton 1, il est sorti il y a un an de ça. Dans les Dalton 1, et ben on a réuni à peu près presque tous les quartiers. On a réuni des rappeurs du Moulin Avant, des rappeurs de Villon, des rappeurs de Pôle Sentier, des rappeurs de Mermoz, des rappeurs des États, un peu de tout le monde, de tous les quartiers du 8ème. De toute façon, tu auras l'occasion de les voir avec moi dès qu'on va aller. C'est sûr. On va passer les voir. Mais il y a plus d'un an qu'il est sorti là, les Dalton. Franchement, ça a bien marché. Je pensais pas que ça allait marcher comme ça, qu'il allait voir un élan de solidarité tel que ça, même quand j'étais en prison. Malheureusement, ça m'a coûté de la prison. Et moi qui voulais. À cause de ça en plus. À cause du premier clip des Dalton. Moi qui va pas te dire que j'étais un saint. J'ai fait des bêtises quand j'étais petit. Ça m'a coûté de la prison. Ça m'a coûté des problèmes. Mais je voulais me calmer, tu vois. Je voulais faire un peu un truc qui m'apporte quelque chose de légal, quoi. De la musique et tout. Et ça m'a pas empêché de retourner en prison pour les Dalton. Et je remercie aussi quoi les Dalton pour l'élan de solidarité. T'as vu, ils ont toujours été là. Ils m'ont toujours soutenu. Ça a toujours été. Ça montre qu'on est plus solidaires, qu'on est toujours ensemble, on reste soudés. Bon, du coup, c'est quoi le programme de la journée? On va aller faire quel quartier dans le secteur? Bah là, on va aller voir, on va aller rendre visite à Milo, à Villon. On va aller rendre visite aussi à Pôle Sentier, un petit peu à Dex et Flip Flap, ceux qui rappaient dans la Z8. Et on va aller rendre aussi visite à Mermoz, à Bibi, à MR, tous ceux qui étaient dans les Dalton. Alors Mani, ça se dirige où là du coup? Bah là on va aller rejoindre Milo à Villon qui nous présente un petit peu en deux mots son quartier, ses origines quoi. Ah si elle est dingue hein. Ah ça va le faire, ça va le faire. Ça c'est la route de Vienne ça. Ça c'est la route de Vienne. Okay, c'est la route de Vienne. C'est là où tout se passe les périples comme t'as pu voir tout à l'heure là, les échauffements, les... Ouais c'est ça hein. L'aïkido quoi. Les champions de ceinture noire d'aïkido. Je fais du taekwondo mélangé au jujitsu algérien avec tout. Voilà. Il y a les grosses boulettes dans le pilon, que des grosses bouteilles, que ça casse des têtes. C'est le 19-8 mon pélo. Y'a que du Lacoste et les rats sont chauds, ça ne porte pas de Valentino. Toi tu brasses de l'air, tu nous mets la chauffe, j'ai besoin d'un billet. Y'a rien là. Je t'emmène devant chez le MYLO. Milo, ça va ou quoi, frérot? Un des premiers à être vu, on ira voir directement Dex et Flifilifo et tout ça, exactement. C'est ça, frérot, on est à Villon du coup. Villon, excuse-moi. Attention, faut pas se louper, viens, on va faire un tour. Vas-y, frérot. Là, on est en plein cœur de Villon, mon quartier, ici, c'est le 8ème arrondissement. Tout à l'heure, t'étais au Grand Trou, c'est genre à 2-3 minutes d'ici, là où t'as vu tous les frérots avec Mani GT, tout ça, maintenant et tout. Maintenant ici c'est Villon, ça fait je vais te montrer, tu vois. Ça fait combien de temps t'habites ici toi frérot? Ça fait longtemps, ouais. Franchement ça fait longtemps. Là genre on va dire ici, c'est là où tout le monde se pose on va dire. Là il y a un peu personne parce que c'est Ramadan, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas t'es là-bas, il y a la boulangerie, y a les gens ils se posent ici. Là t'as 2-3 têtes, tu vois ici, ils sont là, machin. Mais bon comme tu peux voir ici, il y a 2-3 personnes qui sont là. Tu vois ce que je veux dire. C'est carré. Ça dit quoi les gars, bien? Après ici t'as la grande allée principale. T'as vu là, t'es en plein cœur de Villon. Genre en gros, quand tu viens à Villon, c'est ici. T'as vu, genre en gros là, t'es en plein milieu. Ouais, c'est ça. Là, ici, il y a les petits gringos là. Ici, ils sont juste là. Mais pas nous. Ici. Vous aimez bien les Dalton ou quoi, les petits? Ouais, ouais. T'as vu, là, ici, c'est écrit en gros VLN. Et là, très important, Franja. C'est carré. C'est plus que carré, regarde. C'est rectangle. Ensuite, montre-leur comment on ouvre l'allée ici. On va passer par l'allée. Regarde comment ils ouvrent les allées. Ici, laisse tomber. Et vous avez quel âge? Dites-le, vous avez quel âge? 10 ans, 12. Là, je suis avec des 2012, hein. Vas-y, on y va, gros. Ici, là, t'as le terrain.
T'as vu là où tous les gens vont jouer au foot, tout ça, machin et tout. Il y a plein de trucs, même à une époque je faisais des combats de boxe ici qui se sont passés ici. Tout s'est passé ici, tu vois. Ça veut dire tous les gens qui font. Ça fait tous les gens qui font les footeux. Il gagne des PS5. C'est ici. Allez le montrer sur le terrain, allez le montrer sur le terrain. Bon, sinon, mon rêve, toi, c'est comment les Dalton, t'as rencontré comment Mani GT? Mani, on se connaît depuis comment ça s'est fait tout ça? Bah, Mani, c'est simple, on se connaît depuis qu'on est petit. Et ça s'est fait naturellement parce qu'on se connaît, que c'est un projet, que lui, il a la tête de tout. Et qu'en gros, bah, c'était un peu logique qu'il me contacte. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Et comme je t'ai dit, tu vois, ici, je peux voir les gens qui jouent au foot, tranquille, autour, t'as les bâtiments. Quoi, y a des bons joueurs qui viennent du 8ème ou quoi? Ouais, si, t'as des bons joueurs. Bah, franchement, t'as la casette, tu connais pas la casette? Ouais, si, il vient du 8ème lui. Ah, il vient du 8ème, t'as l'air de le dire. Wesh, les frérots. Bien, tranquille, ça va, tranquille. Du coup, tu me disais, ouais, la casette, il vient d'ici. Ouais, non, pas d'ici, ouais, pas de ce quartier là, mais du 8ème. Lui, il vient de Mermoz, la casette de base. Franchement, dans le 8ème, laisse tomber. T'as pas que les Dalton, mais en grosse partie. T'as les Dalton, tu vois ce que je veux dire? Bah, ça fait parler d'eux, vous faites parler de vous de ouf en ce moment les Dalton. Bah franchement en plus c'est pas forcément voulu hein. Franchement on fait des trucs, après c'est les médias qui relayent directement. Et donc du coup ça fait parler plus ou moins, parce qu'après on fait des choses que y a personne qui fait. Donc forcément ça c'est fait vrai parler. Il y a eu des dingueries, il y a eu des dingueries. Ah ouais? Pour toi c'est quoi la plus grosse dinguerie qu'il y a eu? Il y en a eu trop, mais tu vois, il y en a une que j'ai vu hier, c'était la bombe à eau là, sur. Je sais plus, que c'était le maire du 8ème, ouais, je crois. Ouais, sur le maire du 8ème. Après c'est. Moi j'y suis pour rien, moi je suis dans la partie musicale, tu vois ce que je veux dire, ouais, on chante, on est là pour chanter. Il y a les Dalton dans la musique et il y a les Dalton dans le reste. Et le représentant musical il est là. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand les gens ils disent ouais, c'est le chef du gang, c'est le chef du gang partie musicale. Très important à signaler. Parce qu'il faut faire la différence entre ceux qui sont dans la musique et le reste. Faut faire la... Même eux c'est des Dalton. Mais eux sont dans la partie école. Tu vois ce que je veux dire? Eux c'est les Dalton de la partie école. Là t'as les Dalton de la partie musique. T'as des Dalton de d'autres parties. Et après voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc là on va continuer le faire. Toi t'as clippé où un petit peu ici? T'as tourné ouais, où? Moi si j'ai clippé, bah à l'époque j'avais clippé là, mais en gros le city il est nouveau juste ici. Ouais. J'avais fait un clip ici, c'était un terrain de foot en gore. Mais de toute façon là bientôt j'ai prévu de faire un nouveau clip, donc on verra que ça va tout va être ici. Après voilà, on continue. Je vais te montrer le truc le plus important du Vas-y secteur. On va aller voir on ça. Est obligé de passer là-bas. Bon là je t'explique. Cette épicerie là, il y a pratiquement tout le 8ème qui vient ici. Pourquoi? Parce que c'est la seule épicerie du 8ème qui ferme à 2h du matin. Donc là je vais t'emmener, tu vois. D'ailleurs. Et d'ailleurs quand je rentre, je fais toujours des snaps ici, donc je vais le faire. On en direct. Juste là. Ce mec là. Lui, ouais, tu peux le pointer. T'as vu celui-là? C'est l'épicier le plus bénef de tout Lyon. Ça veut dire qu'en gros tu viens ici, il va. Genre par exemple, on va dire ta facture c'est 2,70, il va dire c'est 3,50 et il va tout prendre. Et bien évidemment, la canette favorite. Montrez-leur c'est laquelle la canette rouge, favorite. Prenez ce que vous voulez. Oh, c'est ton lui, Vas-y, prenez. Une, prenez 40 000. Ouais, t'inquiète. Allô. Oh, t'es une de la cité, prenez ce que vous voulez. On la prenez. Faites-vous plaisir, il y a le gros du quartier, tiens. Oh, il y a le gros du quartier. Oh, ils vont mettre super bien, il est là, Milo. Ça va, on va. C'est Milo qui va mettre bien. C'était pas prévu, ça. C'était pas prévu, frérot. D'ici demain, j'en fais passer un Milo et vous fais passer des t-shirts. Vas-y, c'est bon, le t-shirt. Vas-y, le t-shirt. Vas-y, 11 ans. C'est comment, ils soutiennent bien les petits ou quoi? Franchement, les petits, bah t'as bien vu par toi-même. Je suis arrivé, ils étaient tous refaits de me voir. Ils étaient tous contents, les petits. Tu nous connais pas bien comme nous, fais beaucoup de bêtises, mais c'est le ramadan. Oh, c'est sûr. Là, on se dirige direction Paul Chantilly. Ouais. On va dans le quartier Dex et Flip Flap, qui sont aussi dans les Dalton. Et donc du coup là on va aller voir de leur secteur là-bas, on va aller voir comment ça se passe là-bas. Et bah là je t'emmène à Pôle Sentier. À Pôle Sentier on va aller voir Dex et Flip Flap qui font partie aussi du collectif des Dalton. Et ensuite on se fera Mermoz. C'est lequel des clips des Dalton qui a le mieux pris pour l'instant? Franchement ils ont tous pris différemment. Après le 2 il a été essayé de faire plus professionnellement, tu vois. Le 2 il a bien pris aussi, même le 3. Pas le 3, mais enfin le Dalton My Life, là, quand j'étais en prison incarcéré. Un peu à Marbella aussi, je crois. Voilà, celui-là, quand j'étais incarcéré, il a bien pris. Il a plus de 150 000 vues, sans promo, sans publicité, sans rien du tout. Il a bien pris. Mais le 2, il a été bien tourné, le 2. Il a été tourné par Nono La Crapule. C'est vrai, il a été tourné différemment, contrairement au premier, qui a été tourné plus dans la va-vite, dans la rapidité. Mais là, on leur prépare du lourd, là. Là, les Dalton 3, ils sont en train d'être tournés. Franchement, ça va être du très, très, très lourd. Franchement, coup, accrochez-vous. Comme t'as dit, t'es allé à la rate là pour le clip, justement. C'est ça. Ils t'ont mis quoi comme motif exactement? Ils m'ont mis rodéo et pour port d'armes, je crois.
Ah ouais. Port d'armes, et à la fin j'ai été relaxé pour les armes. Mais pour le rodéo, on m'a mis 9 mois de prison, dont l'isolement que j'ai été à l'isolement. Mais ça va, j'ai supporté, c'est fini, c'est passé, maintenant c'est derrière moi. Et je vais me concentrer sur le présent, en gros, sur la musique là que je leur prépare. Les Dalton 3, ça va arriver très très lourd, là on est en train de les tourner. Le clip il va être tourné également par Nono la Crapule. Ça fait, ça risque d'être un très bon clip. C'est-à-dire, ouais. Préparez-vous et restez bien bien connectés. Il y aura des nouveaux rappeurs un peu sur le prochain qui n'ont pas été dans les Dalton auparavant, ou c'est que des têtes? Non, qui... toujours les mêmes, toujours ouais. Les mêmes, toujours les mêmes. Peut-être un peu moins de têtes parce qu'il y en a qui ont des problèmes. Comme il y en a qui sont incarcérés, ceux du Moulin avant. Il y avait le Cous dans les Dalton récemment. Mais vu qu'il a des problèmes lui aussi avec la justice, il n'est plus trop présent ici, c'est-à-dire qu'il ne va pas tourner dessus. Mais ça va être lourd, franchement ça va être très très lourd. À l'occasion je te ferai écouter si tu veux passer au studio. Avec ça plaisir. Va être très très lourd. Je suis dans la Bardine, elle va encore faner la Guardia. Le 8ème c'est l'anarchie. Je fais ce qu'il a Skoda par Fabia. Viens Fabia, je les ai esquivés. Tu peux me croiser à pas sur le parking d'Algi. Il fait le gros mais on sait qui c'est sur le boulevard. Bah là on arrive à Pont Chantilly. Ça reste le 8ème, ça reste chez moi. Moi je suis à l'aise de partout, à l'aise dans ma ville. Le Dex, qui fait partie de la Z8. On le présente plus. On le présente plus. Il y a le bon vieux fil, il est là-bas parce que Mani nous a ramené un maxi cortège au secteur. Viens, viens. Allez, approche un peu, mon frère. On va te montrer comment ça se passe. C'est comment? Vous êtes rencontrés comment, du coup, tous les deux? Ah, je connais, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, ça freestylé sur ce parking. Voilà, on avait. Ouais, ça freestylé, ça avait même pas encore décidé de rapper ou pas. Ça, mon frère, alhamdoulilah. Le deuxième membre du. En gros, on est deux dans la Z8, comme sur les Dalton. C'est plus là. Le deuxième, hein. Voilà, c'est ça. C'est carré. Tac, approche, je te présente les autres un peu. Bah ici c'est leur parking spécial, t'es ou pas? C'est là où tout vient la magie. Monsieur. Monsieur. Comment vous? Ex-membre de la Z8. Il faisait partie de la Z8 et là il s'est mis en retrait un peu. Là il est sur les paillotes en ce moment. Là il est un peu sur un autre délire. Il est sur un autre délire, mais voilà, ça reste au complet. Ici c'est la base, que ça soit ici, Mermoz, le Moulin Avant, Fabia, les États, Beau Visage, partout. La Trinité, on a assisté à combien de matchs de la Trinité? La bonne vieille Trinidad. Il n'y en a pas un d'ici qui a pas joué à la Trinité. Des ambiances. Avec des bonnes têtes qui sont sorties ici, hein, avec monsieur Lacazette qui est sorti d'ici. Ah, il vient d'ici. Il y a des très bons joueurs, hein, Saïd Mehama. Il y a des très très bons joueurs, hein, ça parle ballon ici aussi. Ils sont calés football, frérot. Moi, les oui, oui. Foot. Sinon, les frères là, ils sont calés. Mais quoi, sinon, à part ça, ça prépare un truc pour Gray là ce soir ou quoi? Je vois qu'il y a un barbecue. Toujours, la paillade, c'est son domaine. Là, il a ouvert la paillade, c'est parti là. Dans tout le ramadan, ce qui est dommage, c'est que là, t'arrives une heure avant. Mais ce soir, tu vas repasser, je pense. On va voir un petit peu. Escalope, merguez, hamburger, ketchup, mayo, ce qu'on parle là. De toute façon, ce soir à 8h, il y a after de rue. Tu seras présent avec nous pour manger. Tu passeras direct, vous passerez directement au quartier, on le fait au grand trou. C'est carré, c'est carré. Et vous, à part ça, les Dalton et tout, vous êtes présents sur quel son à peu près? Tous les sons des Dalton, vous êtes sont dessus. Juste sur le premier en gros. Il y avait un peu trop de monde, ça veut dire que Lipo il était pas dessus. J'ai représenté pour nous deux. Mais sinon le reste du temps non-stop. Soit on fait des passe-passe, soit lui il a son couplet, moi j'ai mon couplet. Fonctionne en équipe en vrai. Ouais, après les Dalton c'est le 8ème, c'est la famille, on se connaît tous. On a tous fait vécu ensemble et ça fait plaisir. C'est ça fait très très longtemps qu'on en parlait en plus. Ouais, de faire de la musique ensemble et tout. Et ça nous rend bien solidaires. Mais même avant les Dalton, tu pouvais me croiser autant chez moi, dans mon quartier même. Que tu pouvais me croiser au Villon, que tu pouvais me croiser à Pôle Senti. Je suis à l'est, c'est chez moi le 8ème. C'est ça en fait, c'est comme un grand quartier le 8ème. Un grand quartier exactement, qui réunit tous les quartiers ensemble. Tout le monde se connaît. On est tous, on est solidaires. Moi demain je vais au Bachu, je vais au Grand Trou, je vais au Moulin Serein, à l'aise. C'est la maison. C'est ça. Comme Mani vient là, Milo est là. Exactement. Milo en plus il vient souvent manger chez moi. Le M, il est là. Orangina rouge. C'est un méchant snack là. Ouais. Pôle Senti, attention. Ah, gros snack là. Ça fait ce qu'il faut là. Vous avez tourné où un peu les clips à part ça? Z8, tout ça, ça a été fait. Franchement, ce quartier, on l'a utilisé au max. Ici, derrière. Dans les souterrains aussi, il me semble. Souterrains, les garages souterrains. Sur la grande barre. Tu vas voir même là-haut. Ah, même là-haut, ouais. Ouais, même là-haut. Vous êtes content un peu là de l'ampleur que ça prend, les Dalton ou quoi? Parce que ça en parle partout. Moi, franchement, je suis super fier, super content de ce projet. Il me tient grave à cœur. Même encore tout à l'heure, je parlais avec je sais pas qui, je regarde le 1, je vois, il a tapé son million. Là, ça y est, il a tapé son million un an après. Il y a un an, on le clippait, et là, il a tapé son million. Ça fait super plaisir. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est que Mani, il était derrière. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu tous les trucs qu'on a pu fêter avec lui, mais
Là, Doulay, il est là. Avec nous, là, il est là, le bon vieux. Ça va le faire, ça va le faire. On dirait quoi aux gens qui pensent que du mal des Dalton, qui disent que c'est que des gens qui foutent le bordel dans le 8ème, etc. Comme les médias, ils le disent souvent, tu vois. Justement, je pense que le plus important, c'est venir nous voir. Franchement, c'est pas l'image qu'on veut dégager. T'as une image qui nous reproche, qui nous disent d'être des délinquants et tout ça. C'est pas cette image-là. Nous, on va leur prouver le contraire maintenant. Et comme je l'avais déjà dit, on a fait avec les moyens du bord. On n'a pas la chance d'avoir des maisons de disques à tous les coins de rue, comme les autres à Paris ou que ce soit à Marseille. On a fait avec nos moyens du bord, avec nous, ce qu'on pouvait faire. T'es, on a essayé de se réunir et d'essayer de faire au mieux. Maintenant, avec un peu de recul, j'essaierai de faire les choses plus professionnellement. T'es, pas que ce soit les rodéos, tout ce que je peux faire, je vais essayer d'avoir des autorisations pour tourner dans les meilleures conditions. Mais niveau solidarité, l'élan de solidarité, ça ne changera jamais. On a toujours été soudés, toujours ensemble. C'est carré, les gars. Bon, bien vu en tout cas. Merci à toi. Mani, prochaine étape, ça va où? Prochaine étape, on va aller se diriger à Mermoz, si tu veux bien. On va aller à Mermoz, on va aller voir AMR et Bibi, c'est ça. C'est carré. C'est ça, le Bibs. Dans la pote, devant le four, tu peux croiser la bague. Ça filoche un petit schlag, à croire qui prend la tonne. Y'a des 10, y'a des 20, y'a des 30. Elle est folle, elle va pas me viser. Rabat de bébé de mon test, lui fait un ennemi. Donc là, on va aller diriger à Mermoz, voir encore 3 membres du collectif des Dalton. D'ailleurs, t'as vu Mermoz, où je t'emmène là, c'est là où a été tourné le premier clip des Dalton. Le premier clip des Dalton, il a été tourné là-bas. Et justement, tu m'as dit le premier, il a été fait avec les moyens du bord. Le premier, troisième, il est déjà plus professionnel et tout. Bah, le deuxième, t'as bien vu, déjà, il était très professionnel. Ouais, ouais. Donc le troisième, il sera vraiment, vraiment professionnel, ouais. Et du coup, je voulais savoir un peu, c'est quoi? Est-ce que c'est difficile d'avancer, sachant qu'il y a tous les médias, toutes les politiques et tout, qui vous mettent des bâtons dans les roues? C'est dur. Franchement, je vais pas te dire que c'est le contraire. Comme par exemple, on a voulu, quand j'étais en prison, mettre un camion, qui était légal à la base, une sorte de camion pour faire une publicité dans la ville et tout, ils l'ont récupéré. Ils l'ont pris, le camion, avec des affiches du style, tu sais, avec des vidéos du style qui tournent notre clip et tout. Ils l'ont pris. Tout ce qui concerne les Dalton, pour eux, c'est pas bon. C'est l'apologie. Il y a vraiment un manque d'impartialité dans ce truc-là, que à chaque fois qu'on entend les Dalton, eh ben on juge les Dalton, on juge pas la personne. Tu vois le délire ou pas? C'est vraiment énervant, ça. Je te mens pas, c'est vraiment énervant. Mais on va faire en sorte de faire les choses plus professionnelles et plus leur donner l'occasion, surtout. T'as l'occasion, on ne la donnera plus. On va essayer de faire toutes les choses carrées et propres pour vraiment être reconnu dans ce monde de musical. Parce que faut pas croire, hein, ça coûte de l'argent. Hein. Je peux te dire que même une maison de disques, elle aurait pas sorti ce que ça a sorti là pour ses clips de musique et tout, les Dalton. Je peux te le garantir. Ça coûte vraiment, c'est un investissement. Les Dalton 1, 2 et le 3 là qui va arriver. C'est vraiment de l'investissement. J'ai la classe, un crochet, je mets la frappe. On lui gagne un plafond à 10 balles. On y va, je dois refaire les Dalton. Voilà, t'arrives à Mermoz. T'arrives en direction de Mermoz là. C'est ça. Hein. Le centre là où tout s'est passé le clip. Ça mon frère. Abdoulaye toi. Abdoulaye, ça va. Ça va mon frère. Abdoulaye. AMR. AMR, il fait partie du collectif aussi. C'est moi comme ça. Et là il y a le but. Le but. C'est la frappe. Voilà mon boubou. C'est ce mon frère. Ça va? Ah là il est là. Tu dis mon gars. On est là. Ça va et toi mon gars? Bah tu sais quoi, on t'accueille bien là. T'es au bon moment mon frère. C'est carré alors. C'est ici que ça se passe. C'est comment? Présente-nous un peu tout le bien monde. Bien sûr, viens, je te présente. Ça c'est AMR, il fait partie du collectif de Dalton. Je crois qu'on se connaît déjà mon gars. Il y a Eddie qui va rejoindre là dans 2 minutes. Milo, tu le connais, je te présente pas. Ça c'est l'entourage de Milo. Le Z, tu le connais. Et de Villon aussi. J'ai déjà vu. Il y a Eddy qui arrive et ils vont te faire le tour, en gros t'expliquer. De toute façon, c'est ici que ça s'est passé. Je t'ai dit, t'as vu ici Mermoz? L'affinité, le cœur, il y est. C'est ça. C'est vraiment on est ensemble. Il a été clippé à quel endroit dans Mermoz, le premier clip? Il a été clippé sur la place. Ouais. Une partie sur la place et une partie sur les bâtiments. Et là. Frère, ça va Eddy? Abdoulaye, toi. Abdoulaye, relax, c'est vrai. Ça va mon frère? Ça va quoi? Bien. Ça c'est Eddy Enfant Sauvage, tu connais pas, faut aller taper sur YouTube. Classique de Lyon. Ça date pas d'hier, le classique de Lyon il est là. Mais vas-y, comment tu les as rencontrés tous déjà par exemple? Bah t'es la plupart, on se connaît, ça date pas d'hier, que ça soit Milo et tout, mais t'es même Dex et tout, on se connaît depuis l'époque de Jacques Mess et François Bess. On faisait des freestyles, on pensait même pas encore qu'on allait rapper ou faire de la musique. Après, ce qui concerne Mermoz, c'est comme si c'était mon deuxième quartier natal. C'est chez moi, c'est la famille. Je suis vraiment chez moi à la maison. Même si dans tout le 8ème je suis à l'aise. Mais ici c'est vraiment. Un élan de famille, on est ensemble. Et Mermoz, c'est plus comme si lui, Grand Trou Mermoz, ça fait qu'un. Ça fait qu'un quartier. Exactement. On est ensemble. 8ème, c'est tout réuni, les États, Mermoz. Exactement. Et avant et compagnie. Bon, et toi, Firo, comment t'as senti un peu l'explosion des Dalton, on va dire là? En ce moment, tout le monde parle que de ça.
Il y a un gros buzz sur ça. Comment tu sens le truc, toi? Mon pote, c'est pas une explosion, ça, mon boubou. C'est un séisme. Non, à Lyon, je te mens pas, les Dalton, ça va, ça. Ça commence à taper, je te mens pas, ça résonne un peu. Meilleur collectif de Lyon, je pense. Ah, quand t'entends Lyon 8, quand t'entends Lyon 8, il y a Dalton qui va avec. C'est bien, du coup, dans les Dalton, il y a un peu toutes les générations. Bah oui. Il y a la génération comme AMR. AMR, Scooterman qui est pas là aujourd'hui. Mais quand t'entends normal. Il aurait été présent, il y a NAE aussi. Il y a des autres aussi du moulin avant, mais on en reviendra plus tard. Ils sont incarcérés, ils sont pas là pour l'instant. L'essentiel, ça part d'ici, ça part de Mermoz, le premier clip des Dalton. Bon, c'est comment un peu, vous, l'actu un peu là? Ça sort quoi en ce moment, à part les Dalton? Ça sort des trucs un peu ou quoi? Moi, pour l'instant, c'est, je peux parler que des Dalton et après, on verra après. Mais pour l'instant, je parle que des Dalton. Voilà. C'est Bibi. Voilà. Bon, c'est Jean-François Sauvage. Ça fait longtemps qu'on fait du rap, de la musique. Exactement. Maintenant, on est de les frères, les Dalton. Inch'Allah, on va faire plein de musique encore, plein de trucs, t'inquiète. Merci, voilà. On collège ensemble avec Bibi. Ah ouais, carrément. C'est un tueur, ça. Inch'Allah, on va sortir encore des nouvelles musiques et des nouveaux clips. En direct de Mermoz et tout 8ème. Direct de tout 8ème. C'est ça, toi, mon ref AMR, ça dit quoi un petit peu? Voilà, je suis l'un des plus jeunes des Dalton, du temps. Voilà. Ça fait, voilà, les Dudes d'Enfants Sauvages, les Bibi, je les écoutais, j'étais petit, t'as compris. La petite génération, c'est là, la nouvelle. Ça fait plaisir, là, on rappe avec les grands du quartier, on essaie de faire du bon taf. Moi, je fais mes trucs à côté, je suis dans les Dalton. Voilà, c'est la famille, comme il dit frérot Magnin. C'est ça, voilà, c'est exactement. Il t'a tout dit. Après, et là, préparez-vous pour le 3, il va arriver. Pas tout, hein. Ah oui. Attention. Préparation du 3, il va arriver, il va être très très professionnel. Cette fois, on va pas se faire avoir avec ça. Et comme c'est je t'ai ça. Dit, hein, c'est juste les moyens du bord qu'on faisait. On n'a pas la chance d'avoir plein de maisons de disques comme les autres, on a fait avec les moyens du bord. Mais t'inquiète pas, ça va être autant lourd que... Ton indépendant. Voilà. C'est ça, exactement. Si c'est pas le 3, Dalton toute la night, c'est quoi, c'est un hors-série? C'était un Dalton hors-série, voilà, ouais. Tu peux prendre ça comme ça, comme un hors-série pour un libéré Mani. En attendant la sortie. En attendant ma sortie. Exactement, voilà. En attendant la sortie de Mani. C'est ça, exactement. Une fois que t'étais dedans... Ouais. T'as quand même continué à planifier les Dalton, t'as mis sur le côté, c'était comment est-ce que... Même on se voit dans le clip. Je vais pas te faire le rappeur qui a écrit 3 albums et tout, l'isolement c'était difficile. Après j'ai fait ma peine comme je pouvais. J'ai pas trop pensé au rap, j'ai écrit 2-3 trucs comme ça histoire d'eux. Mais je vais plus me concentrer là. Il va se déchirer, Inch'Allah, Mani, voilà, il va se déchirer. C'est ça, exactement. Peut-être toute l'équipe, ça soit n'importe quelle tête Dalton, il y a beaucoup de gens de la rue, frérot, t'as vu. Beaucoup de gens qui ont plein de problèmes, qu'il y a plein de problèmes à régler. Il n'y a pas de gens professionnels dans la musique, tu vois. Même si ça fait longtemps qu'il y en a qui font de la musique, il n'y a pas de professionnels. Mais là, Inch'Allah, avec tout le buzz, tout ce qui s'est passé, bah Mani va se déchirer. Et tous les autres aussi vont se déchirer. Inch'Allah, ça va donner quelque chose. Mais il faut y croire, il faut se donner tous les moyens. Parce que partout en France, les gens, ils se donnent les moyens. Et là, les Dalton, j'espère, ils vont se donner les moyens et ça va faire quelque chose. On va placer 8ème sur la carte. Voilà. Et justement, en ce moment, en plus, Lyon, ça commence vraiment, vraiment, vraiment à exploser niveau musique. Ouais. Vous en pensez quoi? Depuis 2 ans, on va dire, c'est la tendance, les rappeurs lyonnais. Il y a tout le monde qui commence à péter. Petit à petit, ça commence à prendre de l'ampleur. Après, avec les Dalton, ça en prend un peu plus. Ça en prend encore plus. Là, on a vraiment mis 8ème sur la carte, on peut dire comme ça. Mais je pense que ça devrait le faire. Là, avec le temps, ça va le faire bien, bien, bien fort. Et même là, on commence à être dans un cadre plus professionnel. On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire maintenant. Ça va le faire, je pense. Cette année, ça va le faire. Mais moi, je m'attendais même pas à aller en prison pour cette cause-là. Ouais. Après, je vais pas dire que j'étais un saint. J'ai fait des bêtises. Comme tout le monde, j'en suis pas fier d'être allé en prison. Actuellement, j'ai encore mon petit frère en prison. Il y a plein de personnes qui sont incarcérées. Mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour éviter de leur laisser se permettre de nous dire en gros qu'on n'est pas bon, qu'on est une mauvaise image. On va pas dégager une mauvaise image des Dalton. Voilà. Justement, ils vous ont fait quoi comme crasse un peu? Parce qu'il y a eu le coup du camion. Est-ce qu'ils vous ont fait d'autres trucs un peu? Le coup du camion, l'isolement, l'acharnement qu'il y a eu sur moi. Vraiment, ils étaient acharnés. À chaque fois que ça parlait des Dalton, et ben, ils en faisaient des tonnes sur les BFM TV, tu voyais bien, sur la télé. Ils prenaient ce qu'ils avaient envie de prendre. Ce qui leur intéressait. Comme là, récemment, ils ont dit quoi? Ils ont dit que les Dalton, ceux qui étaient sur TPMP, Joe Dalton ou moi, c'était nous qui avions été en garde à vue interpellés pour les ballons d'eau. Pour les ballons d'eau sur le maire. C'est qu'au départ, je pas senti la pine, je pensais que la bonne rose, elle était pleine d'épines, mais on a vécu pire, je viens de Mermoz. La vie, c'est pas un film marqué sur les murs de la cellule. À ce qui paraît, ça porte malheur, souvent enfermé dans ma bulle. Je fume si c'est de la balle, le bitume, ça fane, mais ça forge. Et ça sert à faire des sous, à force de prendre des coups, on devient plus fort, plus féroce. T'as vu, je mets que des bananes. Là, c'est Lyon, c'est pas Paname, il me faut de la maille pour que ma mif grecque a goulé, même dans le cascaraï, wesh, la fafote, t'as rien que tu brailles de toute façon. Ils sont pas de taille, ben non. Faut que je me taille, bah ouais. On a grandi dans des cités crades, des cités vifs. Ici, tu te mets vite à bicrave, éviter la flicaille, évidemment. Pas faire pleurer maman, mais y'a des grammes dans l'habitacle, c'est pas marrant. Quand ils font péter la CR, c'est
pour les petits qui n'ont pas de parents, qui fêtent pas leur anniversaire, ceux qui ont vécu la misère seuls. J'en ai fait un, moi aussi, sauvage. Il m'a fait du charme, mais ça met 17 ans que j'ai cédé. Je lui sers des darons, des gamines et même des PD. T'es pas capable du pire, t'as peur des coups. Mais les côtes tarpées, tu veux rentrer sur le terrain, ramène tes couilles, tu peux te faire tacler. Fais l'oya de la bombe. Viens pécho ta dose, tu parles mal, on t'arrose, on se retrouve avec Skill et Giro. Dis-moi où ils étaient tes guetteurs quand j'étais à Foch, les trompes avec Philippot. Je démasque le faux du vrai, mat ses formes dans ce putain de rétro. Elle, elle est mignonne, elle sait plaire, elle pourrait faire glisser plus de 20 pélos. Me dis pas t'es kéro, mi amor, deux semaines plus tard, tu veux faire le mirador. Je veux pas que ta fille m'adore, je mets avec Mani dans la vente, t'adore. J'ai les meurs, la chance et les dorés, faut des housses et finis de rigoler, nous. On partait à plusieurs pour voler, t'as capté, c'est 6-9 pour vous salir et je repartirai pas tant que j'ai pas mon salaire. Rappez comme eux, c'est trop facile, t'inquiète pas, même pas, je vais gratter mon assiette. Préparez-vous car là j'ai fini la sieste, gros. Nerveux depuis le primaire, on fait la fête. Quand le BNF remonte, on se rebarre faire la guerre, et toujours le même. J'ai pas changé, gros, je fume pas. J'ai la matraque cachée dans le coffre pélo. Et le cardio, c'est il faut se taper. Papa Othello, papa Othello. J'échange du but un peu comme Gonzalo, poto. Le business, je le fais solo. Je te fais croquer si t'es un de mes frérots, poto. La daronne, faut respecter. Quand y'a le bénéf, faut lui laisser une bonne part. Je viens juste me lancer dans le rap. À ce que ça paye, dans un an y'a rien, je me bats. Tout s'entassé en bas, j'ai le téléphone comme des pauvres. Comment voir le meilleur sucer bloqué dans la fosse. Elle regarde les infos. Voyant que c'est pas rentable, elle va donner son corps pour pouvoir claquer du bifton vers Cannes. Et toi, sale fils de pute, tu rêves du Porsche Macan. Ta mère a le frigo vide, solitude, tristesse. J'aurais honte à ta place, si chacun sa vie. Là je suis rabat de sa grand-mère, je vois que des bastos par la vie. Écoute ça, t'inquiète, hamdoulé, ouais c'est ça la vie. Traite-il toujours un méchant, t'as la parole, oui la vue. La famille, je l'aime à la mort, pourrais-je t'envoie à la morgue. C'est souvent le plus faible qui se finira à la corde. Bon, sale. Y'a ceux qui sont sales, ceux qui cissent. Tu fais très vite la différence. Je voulais péter un gros salaire. J'ai fini par me casser les hanches. Y'en a plus qui pensent à leur mère. Dans gros problème, ça pète la pute, la prod. Rien que je lui fais l'amour, ses fils de pute veulent me faire la bise. La pute, je lui fais pas la cour. Elle veut mettre un pied chez moi. Ici, on va tiquer ta mère. On va pas parler chinois. C'est Lyon 8 gros. Pas d'arbitre sur le terrain. Lève les mains, c'est un braco. Que des charcleurs tacle à la gorge comme un clandeur. C'est pour les vendeurs drogue. Mon avant-bras dans la chape de la prof. Nique les bandeurs d'hommes font des trucs qui choquent. Big graveur d'élite, on va remonter la route. Bon alors Mani, bon frérot, qu'est-ce qui se passe? On va manger, on va bien manger, on va déguster là, tour de rue. C'est la coupure. Avec hein. Plaisir que t'es invité là, c'est la coupure du jeune. Merci beaucoup frérot. C'est le moment de manger là. Pour terminer, la dernière question, je la dis dans chaque vidéo, c'est quoi ton équipe de foot préférée? Moi je suis pas trop ballon, mais de cœur, solidaire à l'Olympique Lyonnais, c'est obligé. C'est l'OL. C'est carré, c'est carré, c'est carré. Il y a qu'un seul Olympique ici, hein. Ah ouais, y a pas c'est deux, carré. Hein. Même si je vais pas te mentir, j'apprécie voir jouer le Real de Madrid. Technique, le ballon. Tiens, ben mauvais, ça vient de chez nous, le ça vient de chez nous. Voilà. Forcément, forcément. Bon, les frérots, les Dalton, c'est quoi vos snaps un peu Insta qu'on vous retrouve, toi, Mani? Moi, c'est Mani GT officiel sur Snap. Et sur le Insta, tu mets Mani GT off. Et sur le Insta des Dalton, c'est Dalton69, c'est ça? Voilà, tu peux retrouver les actualités des Dalton, tout ce qui se passe. Abonnez-vous à YouTube. Abonnez-vous, tout, exactement, c'est ça le truc. Bon allez, bon appétit, les gars. Bon appétit à tout le monde. Parle pas trop, on n'est pas des journalistes. Laisse-nous faire, on est venu pour le réalisme. Rêve tes rêves, vont pas s'exaucer. On nique la mère à Tony et Sosa. On est vulgaire, méchant et insociable. Venu pour le noir et l'habitacle. Reste pas trop sur le terrain, on tacle ta mère, c'est habitable. Pas de jeu qui compte pas teaser. Nos coups d'avance se comptent pas diser. Le mal, le bien se compte pas, tu sais. Rage, rage, compatissez. Rage, rage, le combattisseux. Dhemi ou Alix, c'est comme Batista. Ils diront pas qu'il y a pas de freestyle. En 2-4-6, j'envoie un bête de disque. Pour l'instant, faut mettre le turbo. 2-3 années plus tard, prends du retour. Papa m'a dit, fallait s'acharner. Je rêvais d'une fête avec les charmels. Moi, j'étais le mauvais oeil, c'est charmel. On m'a dit, continue, faut que ça pète. Rêvant d'une chaîne charbonne. Mais pour l'instant, photo, faut que charbonne. Ah ouais, t'écartes les beugeants. Ah ouais, je réserve la brochant. Avec un bête de brushing en tac tac, je lui glisse ma brochette. Ah ouais, t'écartes les beugeants. Ah ouais, je réserve la brochant. Avec un bête de brushing en tac tac, je lui glisse ma brochette. Comment te le dire, les temps sont durs, nous sommes en temps de guerre. Y'a pas d'étendard. Si ça marche pas, gros, à la ralep, Bicraft ou bien pas à la roue. Ouais, gros, la merde, ça vaut le détour. Bicraft ou pas à la roue. Si ça marche pas, gros, à la ralep. Ça l'en veut un paquet d'armes. Ou bien un paquet d'armes. Comment veux-tu que je me couche? Dans mon sommeil j'ai un carrétage. J'ai fait mille fois le tour de la tête. Aigri, j'en ai perdu mon temps. Des problèmes, des grosses montagnes. Ta 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 ta. Voilà. C'est carré, c'est carré. C'est carré, c'est carré.